Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation du Penta Oracle version Watercolor de Dextiny que j'ai reçu d'Audrey, de ma belle Oracle Inzel, hein, qui me l'a rajouté dans une commande et je ne l'avais pas et franchement je l'aime beaucoup. Donc il y a 85 cartes, c'est un petit oracle en anglais, mais vous allez voir, il n'y a pas grand chose sur les cartes, donc c'est facilement traduisible, si ça se dit. Voilà. Donc, ici, on a les auteurs, artwork et artistes. Voilà. Et ici, on a un exemple des petites cartes. J'ai la version dans une belle boîte cloche en dur. Voilà. Bon, toutes les boîtes Dextiny, il y a toujours ces textes. Hein. Comme ça, vous voyez que bah, ce sont des originaux. Voilà. Il existe une version avant avec des tranches violettes. J'avoue que j'aime bien la tranche bleue, moi. Bleu comme ça, holographique. Je ne sais pas s'il veut bien faire le focus holographique pailleté. Ça me fait penser aux vacances, le bleu. J'aime bien. Voilà, donc c'est un petit oracle. Là. Les cartes sont plus petites. Bon, évidemment, dans la véranda, je n'ai pas de tarot sous la main. Mais elles sont beaucoup moins hautes et beaucoup moins larges qu'un tarot. Le dos est comme ceci, avec un œil au milieu. On a toujours un certificat d'authenticité, une petite carte de remerciement. Des petites cartes en plus additionnelles. Hein. La petite carte de présentation. Et après, on a... il n'est pas dans l'ordre? C'est possible. Oui, il n'est pas dans l'ordre. Oui, non, il n'est pas dans l'ordre. C'est que j'ai déjà... Je l'ai déjà mélangé, mais ce n'est pas grave. Voilà. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'ordre à suivre. On a l'illustration, le numéro de la carte, le petit mot en anglais. Ici, je ne sais pas. Est-ce que c'est en thaïlandais? C'est possible. Et trois mots-clés. Voilà. L'illustration est déjà très parlante. Hein. Par exemple, ici, care, c'est prendre soin. Voilà. Voilà. Et on en a comme ça 82, du coup. Et j'adore les illustrations. Voilà. Et bon, c'est, il est, moi, j'aime bien tirer, par exemple, une carte pour avoir un petit message pour la journée. Voilà, tout simplement. Et quand je ne comprends pas le mot qui est dessus, ben je vais sur Google Traduction. La mémoire. Le conflit. Et c'est un jeu... déjà deux, trois fois que je tire une carte et elle est rarement bonne. Alors, soit le jeu ne m'apprécie pas trop, ce qui est possible. Mais voilà. Et j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont toutes mignonnes, je trouve. Le cadeau. Catastrophe naturelle. Voilà, donc il y en a comme ça que je ne comprends pas. Mais un mot comme ça et trois petits mots-clés, c'est très vite traduit. Hein. Et je le trouve trop mignon, vraiment. Évidemment, malheureusement, il y a des copies hein, aussi qui passent. Vous les recevez dans une bête toute box. Le papier ici, il est de très bonne qualité. Dans les copies, pas du tout. Hein. Il n'y a pas les belles tranches. Enfin, voilà. Les jeux Dextiny sont tellement de qualité que je trouve ça tellement dommage de les acheter en copie. Elle est belle, celle-là. L'évidence, avec l'enquêteur qui trouve sa preuve. Les bonnes nouvelles, le confinement, l'enfermement, confinement. Mais il est vraiment chouette. Bon, ici, on a l'impression que c'est le vol. Les amis. Être introverti, je dirais. Je vais une fois prendre le temps de prendre tous les mots des cartes et les traduire en français. Ce sera plus simple, je crois. Et de me faire une feuille avec ça. En plus, j'adore les dessins, l'aventure. Les origines. Ici, on a Ganesh. Le masque. Ici, le labeur, je dirais. Le but. Il est vraiment très, très joli. La famille.
la fin, la mort, l'entretien, la maintenance, les rêves, rêves éveillés même, la peur, fright, les angoisses, je ne sais pas, imagination, elle est trop jolie celle-là. Ok, bon, là c'est clair, hein. On dirait Garfield derrière la porte en train de guetter s'il y a une porte ouverte pour s'échapper dehors. Voilà. Le trésor. La gloutonnerie. L'excès, hein. L'indulgence. Elle est très belle aussi, celle-là. La stratégie. L'épargne. Le mariage. La persévérance, il est trop mignon avec son costard. L'alliance, partenariat. Ça, je ne sais pas. Le stress. La fureur. Bon, là, c'est clair, on le voit à la carte. Peur nocturne, les cauchemars, je dirais. L'amour de soi. Je ne sais pas. La collaboration et les cartes changent. Elles ont un fini mat. Hyper agréable. La justice. Stop. C'est stop. Ça parle tout seul. La perte. Cela est tellement triste. Le calme. La marionnette. Manipulation. L'accident. La trappe. Trappe à souris. Et coaching. Voilà. Pour ce petit Panta Oracle. Bon, on va le mélanger. On va tirer une carte. Avec ma chance, je tomberai sur une que je ne connais pas, hein, que je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. Je mettrai pause. J'irai vite dans Google Traduction. Et je reviendrai aussi vite. Voilà. Donc, voilà, une petite carte. En espérant qu'elle soit pas trop mauvaise cette fois-ci. Ou je vais vraiment me demander si ce jeu ne m'apprécie pas. Bon, on va prendre celle-ci. Merit making. Ben voilà, c'est bien ce que je me disais. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, on a godness, humanness et moralité. Moralité, humainement. Bon, je vais quand même aller mettre pause et traduire pour voir vite fait ce que ça veut dire. Et je reviens. Me revoilà. Donc, ça veut dire goodness, c'est la bonté. Merit making, c'est avoir du mérite. L'humanité et la moralité, bah peut-être qu'on vous dirait tout simplement de faire le bien autour de vous, peut-être que faire preuve de bonté, de générosité, d'humanité, tout simplement, voilà, et bon, du coup, vous aurez le mérite d'au moins faire ça, faites preuve de bonté et d'humanité, voilà, et de moralité, tout simplement, voilà un beau message qui n'est pas trop vilain. Voilà, pour ce magnifique petit Panta Oracle que j'ai déjà depuis un petit moment. Hein, et j'avais pas encore le temps de faire la vidéo, mais je l'utilise assez fréquemment. J'aime bien piocher une petite carte comme ça dedans le matin ou dans la journée quand l'envie m'en prend. Voilà. Ben du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez ce petit jeu, si vous l'avez ou si vous ne le connaissez pas. Si les images vous plaisent, voilà. Si le message vous parle aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous mettrai le lien dans la barre de description vers la boutique d'Audrey, Oracle Inzel. Hein, si jamais vous voulez vous procurer, je pense qu'elle en a encore en stock. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.